السلام عليكم كنجدد الترحاب بالطلبه الجدد بكليه العلوم جامعه عبد الملك السعدي آه كذلك كنجدد متمنياتي لهم بالتوفيق والنجاح كيف علنا عليه معية الزملاء نواب العميد سيد الكاتب العام والسادة رؤساء الشعب آه حضرنا لكم واحد الفيديو اللي من خلالها غادي نبين لكم كيفاش يمكن لكم تستعملوا بلاتفورم موديل بالنسبة الدروس ديالكم عن بعد. Uh, هذا الفيديو غادي نديروه بالفرنسيه لان معنا طلبه اجانب ولكن كذلك لان كل الدروس هي كتم بالفرنسيه في كليه العلوم تطوان جامعه عبد الملك السعدي. الوغ سيت فيديو تيتولي لونسينيمو ا ديستونس على فاكولتي دي سيونس تطوان انيفرسيتي عبد الملك السعدي سور لا بلاتفورم موديل مونتر اوزيتيون كومو اكسيدي وكومو سويفغ لور كورس سوغ لا بلاتفورم موديل. Euh, le plan que nous allons suivre, c'est d'abord montrer à l'étudiant comment il doit activer son email institutionnel, comment accéder à la plateforme modèle, comment se connecter sur la plateforme et euh, comment consulter sur, son, ses cours sur cette plateforme. alors, pour l'activation de l'email institutionnel, cette étape est indispensable pour que l'étudiant puisse travailler sur modèle et accéder à ses cours, il faut d'abord qu'il ait une adresse institutionnelle, c'est-à-dire une adresse de son institution qui est l'université de Saadi. Donc, comment activer son adresse email Je suis un nouvel étudiant, un atalib, je dis. Je veux une adresse institutionnelle au on dire une adresse institutionnelle, Je dois me rendre sur le site suivant. Récupère mail uaeac.ema. Donc, on va le faire avec vous. Je les institutionnel Donc, je dois mettre l'adresse récupmail J'aurai cette page où je dois fournir un certain nombre d'informations. Je choisis étudiant, puisque je suis étudiant. Ensuite, je dois mettre le CNE ou le code Massard. Pour les étudiants étrangers, on met le numéro de passeport ici. Ensuite, je mets le numéro de la carte d'identité nationale, la date de naissance, et je choisis mon établissement, la faculté de sciences de Tétouan. Ensuite, je clique sur Récupère mon compte. En principe, je dois voir cette image, c'est juste une vérification que je dois valider. J'aurai cette page avec ma nouvelle adresse institutionnelle créée. Il s'agit du nom Taufir, Najah. Étudiant puisque je suis étudiant. UAE pour mon université.ac.ma. Donc nous avons choisi, comme nom et prénom pour vous, Taufik Najah. Donc voilà, je dois choisir mon mot de passe et le confirmer. Donc dès que je confirme le mot de passe, en principe, j'ai mon adresse. L'étudiant s'appelle Taufik Najah. Et euh, c'est un étudiant à l'université Abdelmalek Saadi. Et j'ai mon mot de passe, je dois retenir, je dois noter, je dois inscrire quelque part cette adresse, ça devient mon adresse institutionnelle que je vais l'utiliser au cours de mes études universitaires et pour tous les services qui vont être mis en place par ma faculté, par mon université. Donc je vous conseille de noter votre adresse après sa création et de noter le mot de passe très souvent. Un certain nombre de personnes oublient leur mot de passe, donc il faut le noter et le garder pour éviter ce genre de choses. Ceci dit, en cas où j'ai oublié le mot de passe, ou j'ai oublié l'adresse, il faut absolument mettre un numéro de téléphone et une adresse personnelle, une adresse email secondaire, votre adresse personnelle. Vous les mettez là, nous le gardons. En cas où il y a un problème, où il y a, un, il y a des oublies, on peut vous contacter. Vous pouvez nous contacter à travers ces adresses-là. On peut même vous, vous envoyer, en cas d'oubli, votre mot de passe de l'adresse institutionnelle. Donc, il est important de mettre un numéro de téléphone personnel et une adresse email personnelle. Juste après, vous pouvez valider en cliquant sur changer le mot de passe, et là. Vous avez votre adresse institutionnelle créée avec le mot de passe que vous, que vous avez choisi. Comment accéder à la plateforme Model? Alors, je dois me rendre sur le site suivant, modeluae.ac.ma. Voilà, je me rends sur le site modeluae.ac.ma. Et là j'aurai une liste d'établissements de l'université Abdelmalek Ksadi. Je suis à la faculté des sciences, donc je vais choisir la faculté des sciences de Tétouan. Ensuite, je vais me connecter. C'est important. Donc je dois me connecter. J'aurai cette image et là, c'est important, il faut pas mettre votre adresse email. Non, il faut cliquer sur Google. Et là je dois mettre mon adresse utilisée à notre compte, ou je dois mettre mon adresse email, la nouvelle, l'adresse institutionnelle. Bien sûr, s'il s'affiche, c'est bon, mais sinon, je dois mettre mon adresse institutionnelle. Donc, j'ai mis mon adresse institutionnelle, on me demande le mot de passe, je mets le mot de passe que j'ai reçu sur mon adresse personnelle. Alors, une fois, à travers votre email, vous avez accédé à la plateforme, vous avez les différentes filières de la faculté, et là, vous choisissez la filière où vous êtes inscrit, par exemple, la licence fondamentale. Alors, vous avez euh, les différentes licences fondamentales, je suis inscrit à la filière SVI, donc je choisis la filière et je choisis le semestre. Donc soit le semestre S1, S2, S3 ou S4, ou S5 ou S6. Alors bien sûr, pour ce semestre, c'est le S1, S3, S5, mais je vais choisir un semestre où il y a des cours, euh, les cours de l'année dernière. Alors voilà, je choisis Sciences de la vie, semestre 2, et là j'aurai les différents cours avec le nom des professeurs. Je choisis un cours, par exemple, de biologie des organismes je dois m'y inscrire donc je choisis le module mais après je dois m'y inscrire donc je clique sur je m'inscris lorsque j'accède pour la première fois ce cours alors je m'inscris dans ce cours-là alors une fois je suis inscrit dans un module par exemple celui que j'ai choisi biologie des organismes j'ai accès à tout le contenu pédagogique de ce module j'ai également accès les cours que le professeur va donner et un contact régulier avec mon professeur. Alors, pour vous donner une idée, donc dans cette plateforme, vous pouvez trouver des annonces lorsque le professeur veut annoncer aux étudiants un certain nombre de choses. Vous avez une zone de chat, vous avez des exercices aussi qui peuvent être donnés par le professeur et des devoirs à faire. Vous avez les cours, soit sous forme de polycopier, soit sous forme de, de vidéo, par exemple. Je prends euh, cet exemple-là, le l'enseignant. Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur le règne animal. Donc Bonjour. il s'agit d'un cours qui a eu lieu l'année dernière et qui reste jusqu'à maintenant sur la plateforme, c'est parmi les avantages aussi de cette plateforme-là, il y a des forums de discussion autour de ce cours par exemple. Alors donc voilà, vous avez une idée sur le contenu pédagogique qui est dans ce module qui au niveau de la plateforme modèle mais certainement euh, avec l'échange avec vos professeurs et en pratiquant que vous allez vous rendre compte de tous les avantages que vous avez à travers cette plateforme. Alors vous avez aussi dans cette plateforme la liste des modules auxquels vous êtes inscrit. Vous pouvez aussi avoir le contact avec tous les participants dans ce module particulièrement votre professeur si vous voulez le contact avec lui. Donc vous appuyez sur participants et vous avez la liste des professeurs et des étudiants qui ont accès à ce cours-là, et si je veux avoir le contact avec mon professeur, donc il suffit de cliquer sur son nom, et vous avez l'adresse email, et je peux avoir des contacts avec lui à travers le message personnel qu'il va recevoir, qu'il va vous répondre. Alors, pour le déroulement des cours, on va suivre le calendrier habituel. C'est-à-dire que les enseignants vont assurer le cours selon un emploi du temps si, qui est affiché sur le site web. Si par exemple lundi prochain, j'ai un cours de mathématiques à 8h30, à 8h30, un professeur va assurer son cours à travers la plateforme Model où il va vous présenter... Euh, euh, Sans polycopier où il va présenter des vidéos, s'il y a des vidéos, où il va échanger avec vous durant la séance du cours. Mais une fois la séance est terminée, tout le contact, tous les échanges, tous les documents, toutes les vidéos vont rester justement enregistrés sur la plateforme et vous pouvez les consulter après. Par exemple, ce que je viens de vous montrer. Il a été élaboré l'année dernière au cours du deuxième semestre. Donc, vous pouvez le voir et le revoir. Mais je vous conseille, en tant qu'enseignant universitaire, c'est que une fois vous assistez à un cours et vous regardez des vidéos ou vous consultez des polycopiers ou des échanges, je vous conseille d'écrire tout cela et d'avoir des cours comme en présentiel. C'est un moyen qui vous permet de fixer les idées, c'est un moyen qui vous permet de retenir le contenu, c'est un moyen qui vous permet aussi de réviser. Si j'ai d'autres conseils à vous donner avant de terminer, je vous conseille de vous intéresser les langues. L'enseignement se déroule dans toutes les filières en français, donc vous devez développer vos compétences sur cet aspect-là. Toute la recherche se fait en anglais, vous devez au cours de votre parcours universitaire, s'intéresser à cette langue. Et nous avons beaucoup de collaborations avec nos voisins espagnols. Il faut également s'intéresser à cette langue. Alors aussi, euh, je voudrais vous conseiller de travailler régulièrement vos cours à l'université. Euh, il est extrêmement important de travailler régulièrement. Tous les jours. Toutes les semaines, tous les mois, il faut pas attendre les examens pour commencer à préparer. Je vous conseille de vous intéresser à tout ce qui est informatique. C'est extrêmement important, particulièrement pour une faculté comme la faculté des sciences. Sur ceci, je vous souhaite plein de succès. Donc, في نفس الوقت بغيتكم تهتموا بدروسكم وبالتكوين ديالكم ولكن كذلك تهتموا بكل ما هو عنده علاقة بالإجراءات الوقائية خاصة في هذه الظرفية وبالتوفيق والنجاح للجميع